Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc on va partir avec le SMG, on va partir en battle. Oula, je tape un peu vieux coup dans le micro, c'est pas grave. Donc on y va. Chers amis, plein de petites bonnes nouvelles, je vais faire des essais très bientôt sur des lives. Je vais faire les essais donc en privé. Tout simplement pour pas voir à peu près des mauvais retours dessus et que bon voilà. Parce qu'il y a des mauvaises langues malgré tout partout, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous n'en sont pas, par contre sur la communauté il y en a peut-être un ou deux. Je prends pour exemple le serveur Starband qui avait été détruit plusieurs fois par une même personne, alors qu'on avait une communauté un peu plus petite qu'elle l'est actuellement. D'ailleurs je vous remercie à tous quand même pour votre soutien, pour votre assiduité et votre loyauté envers moi et envers la chaîne, donc envers la communauté. Donc on part cette fois-ci vers du Robocraft et j'arrête de parler de tout ça. Alors, comme vous me l'avez dit, ce vaisseau était très très lent, tanky mais très très lent, n'hésitez pas, alors je veux surtout pas de ça, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres, mais je ne veux surtout pas de ça, là, la briquette heal là. Enfin, encore que en briquette heal, ça me dérange pas. En briquette SMG, ça me dérange. Celui-là, je me demande si je vais pas le passer en heal par exemple. Parce qu'il est lent, mais il a plein de points d'emport. Oui, je commence à parler comme dans Robocraft. Donc pourquoi pas. Hop. Donc voilà, on est reparti. Vous avez pu voir très récemment que j'ai ragé sur le jeu. Hop. Alors. Allons-y. Voilà. Parfait. Et de une. Maintenant, on rush vers celle du milieu. J'ai l'impression que le son est un peu fort. Je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça va pour vous, chers amis. Hop. Voilà. Alors il a un heal, donc on va reculer. Recule, 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 recule. Hop, moi je vais partir par là. Alors, je vois que j'ai perdu quelques canons quand même malgré tout. Parfait. Ils l'ont eu. On va tenter une petite surprise. Heal-moi un petit coup. Parfait, merci. Non, t'en tourne pas. Hop. Voilà, parfait. On va retenter la petite surprise, chers amis. Ça peut être sympa. Hop, les. Voilà. Hop, les. Bonjour. Aïe. Aïe. Vas-y, heal-moi. Alors, il va me falloir un autre petit heal, chers amis, parce que là, on est dans le caca. Bon alors, je vais jusqu'au bouclier, je rush. Hop là. En tout cas, on a une équipe qui est plus que compétente, hein. Incroyable. M'étonne qu'il n'ait pas encore un qui se soit barré. N'en parle pas, Marcus, n'en parle pas. Merci, mon pote. Ah, c'est sympa. Ça, c'est agréable. Thank. Ah, bla. Ah, voilà. Je t'aime. Voilà.
Meurs. Voilà. Parfait. On rush, chers amis, maintenant. Je passe par là exprès parce qu'ils vont passer par là pour essayer de récupérer la tour. Où est-ce que je suis? Hop les. Allez. Allez. Aïe. Voilà. Touché. Allez, touche là. Touché, bon. Il est bien blindé celui-là malgré tout, je trouve. Alors, ça se passe plutôt bien. En soi, ça se passe même extrêmement bien. Ça j'aime pas. Ah, quoique, c'est pas mal ça. C'est pas une briquette qui vole en fait, je crois que c'était une briquette qui volait, mais non. C'est un... c'est un bomber sur machin. Sur Rotor Blade. Oh la vache. Ils ont abandonné. LOL. LOL. Ils ont littéralement abandonné. Alors ça, ça va pas nous faire beaucoup de points, malheureusement. Et ça va nous pomper toute notre victoire en fait. 333 000 quand même. Du coup ça donne combien? Ça donne 10 cubes ça à peu près. Un peu plus de 10 cubes. 14 cubes. Bon. Donc on a les 370 qu'il nous faut. Hein. Bah du coup on va prendre le bombardier. Et on va partir. Battle Arena pareil. On a plus qu'à prier pour que ça se passe bien. Alors. Salut les mecs. The battle for Tyhonium Canyon has begun. Alors. Ah, j'ai déjà été chopé. SMG hover spotted. Rail flyer spotted. Rail tank spotted. Touché. Plasma copter. Touché. SMG copter spotted. Plasma bomber spotted. Rail tank spotted. Interceptor spotted. Ok, lui il est haut, il est vachement haut. Touché. Alors comme on est qu'à 93, on va aller se recharger vite fait, parce que comme vous le savez, sur ce vaisseau, chaque aile compte pour énormément de points de vie. Oh, je suis passé à côté. Aïe aïe aïe, j'ai pris cher quand même. Vivement qu'on passe au sniper, chers amis. Le flying bomber est très efficace, mais je... enfin, il est très très classe, pardon. Niveau efficacité, je trouve qu'il est pas top top top, mais bon. C'est comme ça. Ok. Touché.
Boum. Oh bah d'accord. Bim. Putain, on est que niveau 2. Oh l'horreur. Je dois être pathétique au niveau des scores. Hop les. Niveau 3. Ah putain, c'est un piège. C'est un leurre, chers amis. C'est un putain de leurre. C'est un putain de leurre. Vous avez vu? C'est un leurre. Hop. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est très très bien joué. Un leurre assez tanky. Hop, allez. Voilà. Que tout le monde me bousille ce putain de sniper. Il est derrière la pierre. Bim. Bim. Putain, mais il est balèze avec son machin, lui. Aïe, j'ai été touché, je crois. Hop, les. Touché. Ah, zéro, putain, j'ai la haine. Je déteste faire ça. Toucher un ennemi et voir zéro affiché, c'est terrible. Ça, c'est horrible, horriblement laid. Il y avait moyen de le faire joli. T'as choisi de le faire en mode laid. Ça, c'est joli. C'est celui que j'ai, on dirait presque. Alors, comme vous voyez, j'ai pris full noir. C'est intentionnel. Je pense que les 100 derniers, je les prendrai justement en orange. Oula, non, le snipe. Putain, mais je me fais baiser à chaque fois. Allez, tourne. J'aimerais pouvoir être. Mais qu'il est con. J'aurais aimé être healé, si cela est possible. Allez. Allez. Allez, pousse. Pousse. Oh putain. Pousse, mon dieu. Ah, j'ai touché au moins deux fois. Je suis le pire de l'équipe, mais c'est pas grave, je m'amuse. Alors, on y retourne. Alors, il doit y avoir quelqu'un là-bas, on m'a dit. Under attack. Interceptor spotted. Plasma copter spotted. Rail flyers. Touché. Bon, je subis un feu nourri quand même. Hop.
Bim! 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 Moi qui pensais qu'il ne me verrait pas! Tu es trop mauvais! Bien joué! En volant 3 kills, j'ai réussi à remonter quand même bien mon niveau. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va repiquer une tour. Les vilains. Ouh, qui sont vilains! Touché! Battu. Et de deux. Hop les. C'est pas grave. Bon par contre j'ai pas atterri au bon endroit. Je sers de leurre, c'est génial. Merci pour vos stratégies les gars, c'est sympa. Toujours sympa de réutiliser la stratégie de l'ennemi. Oh là là, je vous invite à aller lire Sun Tzu, l'art de la guerre. Je suis très mauvais hein, mais très bon bouquin pardon. Ouh le vilain. Oh le vilain il. Oh. Oh il s'est pris un vieux tir. Le pauvre. Oh le Hulk était à fond dedans. Il dit je vais l'avoir. Et le vilain tir de la mort. Non je suis coincé. Voilà. Je t'ai vengé mon cher ami Hulk. Je sais à quel point ton boulot est dur. Ok. Aïe, je crois que là je suis mort. Là, non j'ai pas réussi, j'ai pas pu tirer. Dommage, à une demi-seconde près j'aurais pu repop illico. Ah non, il est sympa le sien, j'avais pas vu. Il est vraiment sympa. Alors certaines personnes ont essayé de m'expliquer que les rotors, les hélicoptères étaient justement faits pour utiliser les snipers en l'air. Si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est vraiment l'objectif qu'ils avaient, je trouve pas ça utile, enfin pas ça bon du tout. Bon, enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Oula. Je sens qu'on essaie de me sniper. Boum. Voilà. C'est une victoire, chers amis. Encore une victoire. Deux canards. Voilà, tiré par Marcus en plus. Qu'on peut voir en train de chuter. Non, remonte. Bon, tant pis. C'était l'heure de la chute, apparemment.
Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Mais avant ça, on va aller voir combien ça nous fait de jetons. Nous ne trompons pas. Ça nous en fait 10 plus. Ça fait 17. Wouh. Génial. Parfait. Donc on a pratiquement fait un tiers de cube en plus, ce qui est cool. Enfin en tout cas sur ce que je voulais faire pour ce cube là. C'est-à-dire que je vais faire 300 cubes pardon, noirs. Et j'en prendrai des oranges sans lettres. Je prendrai 60 cubes oranges. Plus donc 30 comme ça et 30 comme ça. Voilà. J'espère que je vais m'en souvenir de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.